Salut à tous, c'est avec le coach et la musique. Aujourd'hui pour vous un petit peu de fingerstyle avec le morceau Solsbury Hill, le super tube de Peter Gabriel, le premier single d'ailleurs qu'il a sorti en 1977 après avoir quitté Genesis. Je vais donc vous montrer de près comment jouer tout ça. En attendant, vous pouvez tout de suite laisser votre petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas également à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Allez, assez causé, je me rapproche et je vous montre comment on fait tout ça. Alors pour sonner comme le morceau, vous mettrez bien votre capodastre en deuxième case, c'est assez fait. Et ensuite, au-delà des accords de main gauche et du picking de main droite, il faudra surtout faire gaffe au placement rythmique. On est dans une signature à 7 temps, on est à 7-4, très inusité, très inconfortable, mais c'est fait exprès, ça répond justement aux paroles du morceau. Alors les deux premiers accords dont vous aurez besoin, je vous les montre vite fait, ce sera un Ré basse La, donc je fais un bas Ré en deuxième case ici comme ça, et je rajoute quatrième case du Ré, troisième case du Si. Sonner comme ça, et ensuite ça se retransformera en La majeur. Et pardon, le troisième accord, ce sera un La quarte suspendue. C'est le même accord que le premier, mais sans l'annulaire. Voilà, donc les trois premiers, Ré basse La, La, La quarte suspendue. Ok, avec ça on a déjà la première mesure. Alors voyons tout de suite ce qui se passe à la main droite. Alors pour lancer le morceau, on va démarrer en anacrouse, par une levée qui donne ça. Ok, ça c'est l'arrivée du premier temps. Donc j'ai fait quoi? Première case du sol, deuxième case du sol, le Si à vide. Ok. Ah, je vois que j'ai un petit bout de micro qui dépasse là, attendez. Voilà, il dépasse plus. Pardon, donc du coup... Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher tout de suite les partoches en dessous, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Donc la première mesure entière va donner ça. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 et... Ouais, eh oui. Je voudrais faire un petit coup avec la levée. Et 7 et 1. D'accord. Donc à la main droite, si vous avez bien repéré, j'ai pas réussi à faire une version où on fait à chaque fois le pouce comme ça en mode Travis picking. Donc je garde le pouce sur la corde de La et j'utilise ces trois doigts là. Dans un espèce de fouet fingerstyle un peu néoclassique. Je trouve que ça marche pas mal. Donc dès que vous avez terminé cette première mesure, je vous joue la suivante. Il y a juste un truc qui change. Donc cette deuxième mesure, c'est celle-là qui sera répétée en boucle jusqu'à la fin de l'intro. Ça démarre de la même façon, avec le Ré basse La, mais il vous faudra faire en sorte que le barré de l'index ne vienne pas bloquer le petit Mi, parce que lui on le veut à vide pour obtenir... Ok, donc je le lève au dernier moment en fait, je vais pas si... À part si vous avez vraiment une souplesse de phalange incroyable, j'ai déjà vu ça d'ailleurs, c'est limite flippant, mais moi je peux pas, moi il est vraiment tout raide, du coup... Je le libère, et puis voilà. Puis après c'est pareil. C'est cette deuxième mesure qu'on répétera en boucle plusieurs fois. Voilà, et ça précède l'arrivée évidemment du couplet. Ok, je vous refais une fois l'intro en entier et on voit ce qui se passe justement sur les couplets. Je vais essayer de le compter à haute voix jusqu'à 7, ça fait déjà 3-4 fois que j'essaye, mais ça foire, donc si j'y arrive tant mieux, sinon bah non. Alors, 1 et 7 et... 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et... Et ensuite, on entame le couplet. Alors le couplet, je vous le joue un petit coup. C'est vraiment la version d'accompagnement, hein, ça nécessite un chant. Mais ça va ressembler à ça. Fin du couplet. Alors, je me place, sur un La majeur avec ce doigté-là. C'est vraiment le plus adapté pour ce qu'il y a après. Donc 2-2-2, hein, des cordes de Ré, Sol, Si, avec majeur, annulaire, petit doigt. Pourquoi? Parce que juste après, on aura besoin d'un Mi majeur, enfin le bout d'un Mi majeur. Donc pour faire le bout du Mi majeur, je vire annulaire, petit doigt, et je mets l'index en première case. Vous voyez, Mi majeur, c'est ça en entier. Ben là, j'utiliserai que ça. Et du coup, je reviens sur le La majeur, avec ici le majeur en guise de doigt pivot. Alors, avec la partoche en dessous, pas vite, machin, machin. 3, enfin, voilà, 6, 7. Okay. Alors donc, cette première ligne-là, cette première mesure, pardon, vous allez le faire une deuxième fois, à l'identique. Ensuite, ah voilà, donc là on arrive sur l'accord de Fa dièse mineur, enfin la position de Fa dièse mineur, parce qu'avec le capot, normalement ça sonnerait comme un Sol dièse mineur, on s'en fiche. Je vais utiliser ce doigté-là, ah, l'accord plat, que les manouches aiment beaucoup. Dans le jazz manouche, les accords mineurs 7, on les fait quasiment tout le temps comme ça. Si vous n'êtes pas habitué, ça risque de vous embêter un petit peu. Je fais quoi? Je place mon majeur en troisième case du gros Mi. Ok, jusque-là, ça va. Et après, je vais écraser sur les 4 dernières cordes aiguës l'annulaire en deuxième case. Donc la corde de La, on s'en fout, elle est bloquée, bon. Et on fait entendre, du coup, 2, 2, 2, 2. Il nous faut vraiment cette petite note aiguë si on veut avoir justement la petite contre-mélodie à l'intérieur qui vient faire scintiller ce passage. Quand vous l'avez, cet accord-là, eh ben vous êtes bon. Après, vous placez le motif de main droite comme affiché ici. Donc, au lieu que mes 3 doigts index... Eh oui, c'est mercredi, il y a les gamins à la maison. Au lieu que ce soit index majeur annulaire qui se place sur Ré, Sol, Si, se décale une corde vers le plancher. Donc, sur Sol, Si, Mi. OK. Et ça va donner ça. Ah, j'ai un reflet là dans la guitare, ça me saoule. Ah, peut-être comme ça, c'est peut-être mieux, vous me direz. Alors. OK, ça va démarrer comme ça. Dès que vous avez réussi ça, on va conserver l'appui du majeur en deuxième case et placer l'index en première case du sol pour obtenir un espèce de bout de Mi majeur, basse Fa dièse. Genre. Pardon, ah, désolé. Je garde tout, j'assume. Et on le fait une deuxième fois, pareil à l'identique. Oui, presque à l'identique. Voilà. Cool, et avec ça, vous savez faire tout le couplet. Je vous rejoue donc ces 4 mesures qui composent cette séquence. Je retourne sur mon La majeur 2, 2, 2 comme ça, et c'est parti. 3, ah, toujours ce reflet. 3, 4. Au début du couplet, et vous faites ça 2 fois d'affilée avant l'arrivée du refrain. Alors on fait le refrain et vous savez tout faire. Alors déjà ça sonne comme ça. 3, 4 et... Ouais, c'est cool, hein. Alors on va se placer ici en faisant un barré à la 5e, 1, 2, 3, 4, 5, à la 5e case, oui, après le capot, et vous appuierez en 6e case de la corde de sol et 7e case de la corde de si. On commencera à gratter à partir de la corde de ré, ça sonne comme un ré majeur 7. Après on garde le barré sur les 3 cordes aiguës, on décale ça une case à gauche, et je rajoute le majeur au milieu en 5e case. Ça c'est une triade de mi majeur, basse ré, donc mi septième du coup, basse ré, et on terminera en 2-2-2, petite position de fa dièse majeur, une petite fa dièse mineure, une petite triade. Donc je me replace là-dessus et on rajoute le picking par-dessus. Pareil, vous suivez bien ici. Je suis désolé, ils ont décidé de tronçonner pile poil quand j'enregistrais, c'est quand même pas le pot. Bon, ça rappelle un petit peu Paris, hein, pour ceux qui connaissaient mes tutos de l'époque de l'impasse canard. Alors, du coup, 3. Cette mesure, vous la faites tourner 3 fois de suite et on atterrit sur la fin. Et là, on retrouve enfin, on retombe un peu sur nos pieds puisqu'on se resitue sur une signature à 4 temps. C'est les deux seules mesures qui sont à 4 temps, notre 4 temps habituel. Et ben, c'est là qu'il faudra pas se gourer. Donc ça va donner ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis reparti sur mon petit Ré majeur 7. En fait, je démarre exactement de la même façon que la mesure précédente, là, qu'on avait joué 3 fois. Sauf que je la coupe au bout. C'est-à-dire, je vais juste faire 1, 2, 3, 4, et... Je vais pas faire le dida-douda. Non, je le fais pas. Je fais juste... Et tout de suite après, je vais enchaîner avec une série de 4 accords qui vont donner ça, Si mineur 7, après un La basse Do dièse. Si mineur 7, c'est celui-ci, hein, je barre en 2. C'est comme le Ré majeur basse La du début, sauf que j'écrase une corde en plus avec le majeur, avec l'index, pardon. Ensuite, je garde l'index en position. Lui, il va remonter sur un Do dièse, enfin, Ré dièse, mais enfin bon, plus le petit doigt en 5 du Si. Ouais, c'est joli ça. Petit exo à faire au niveau de l'annulaire, hein. Ok, la corde après, vous avez Pénard, et bien Pénarde, c'est 2-2-2-2-2, basse Ré, Ré majeur 7, et puis soit Mi majeur complet, soit le bout d'un Mi majeur uniquement. Donc, et après on repart directement sur l'intro sans repasser par pam pam pam, directos on repart. Juste ça, la fin du refrain et le retour à l'intro. Donc, etc., etc. Pour terminer, je vous refais juste d'affilée pour récapituler l'intro, le couplet, le refrain. Et puis, là, après, il n'y aura plus qu'à bosser, hein. Alors, intro. Refaire ça une 2e fois d'affilée et le refrain et c'est terminé. 2e fois, 3e fois. Et attention, la sortie de route en 4 temps. Pas terrible à ma transition, excusez-moi, je refais juste ça, les 2 mesures à 4 temps justement. Et c'est reparti. Oh yeah. N'importe quoi. Oh, le mec qui part sur un blues. Voilà, avec ça, normalement, vous savez jouer l'intégralité de la pièce. Donc vous scindez bien votre travail, mesure par mesure, séquence par séquence. Mais bon, intro, couplet, refrain, vous en aurez vite fait le tour. Et puis c'est très très agréable à jouer. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Hein, comme d'hab, je vous le redis, je l'ai dit oui, mais le petit pouce bleu, le commentaire, l'abonnement qui fait plaisir, le partage auprès de vos amis. Quant à moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. À très bientôt. Ciao.